Ma femme qui m'envoie un texto jacuzzi pour l'interrogation. Sponsor time. Salut à tous les gamers, cette vidéo est sponsorisée par Check Set Fidget. Évidemment, il y a un nouveau donjon légendaire qui vient d'ouvrir ses portes depuis hier vendredi, qui sera ouvert pendant 10 jours. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année, hein. Généralement il y en a 4 dans l'année, donc n'hésitez pas à aller checker. C'est ouvert pendant 10 jours avec en plus un nouveau système avec des runes, avec des trucs un petit peu spéciaux. Vous allez pouvoir obtenir plein d'items légendaires. En plus, le donjon est plutôt sympathique en termes d'image. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert pendant 10 jours, donc ça sera jusqu'à lundi, pas celui qui arrive, mais celui encore d'après, 10 jours pendant lesquels vous avez le temps d'avoir quelques items légendaires qui augmentent grandement vos stats. Voilà, des bisous, bonne vidéo à tous. Sponsor time over. Donc, c'est là qu'on va faire tout notre système pour stocker le tout. Le truc, c'est qu'il va me falloir de l'énergie quand même, parce qu'il me faut la centrifugeuse automatique. La question, est-ce qu'il y a des onicombes qu'on va garder quand même? Je me pose la question, est-ce qu'on a besoin d'en garder? Oui, hein. On va falloir faire des filtres, je pense, ouais. On va regarder les onicombes de base, c'est le plus joli. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire de l'énergie? Pareil qu'il y a ça. Faut du style. Oh, on est obligé de faire ces machines de mort. Mais pour faire une métal presse, ça tourne tout seul. Je sais qu'il faut que je fasse crête, là. Crate. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il utilise comme énergie Ah ouais, sinon il y a les solar panels, hein. Mais les solar panels, on aime ça. Voilà, hein. L'ultimate qu'on fera jamais. Ouais, tier 6, tier 7, tier 8. Non, tier 8 on oublie. Tier 7 on oublie, c'est tier 6. Okay. Et pour ça, il faut faire des photovoltaïques cell. Pas trop compliqué. Pas trop compliqué. En vrai, c'est ok, hein. Ah c'est ok, on peut faire ça. On fait des solar panels. Ah ouais non mais il a automatisé as fuck lui. Ah il faut faire le cocoven et le crude, mais c'est chiant ça. Écoutez, pour démarrer, petit style. Comme ça on met des panneaux solaires. Ouh là on peut... Ah au-dessus de la cuisine là-haut. Donc, pour faire 2 tiers 6, et on va en faire 10. Donc il en faut 5. Donc 5... Putain, faut en crafter trop. 5 x 4, 20. Faut multiplier par 2 à chaque fois. 40. 80 de 3. 120, 160 de 2. Et là, faut multiplier par 4. 160 x 4, 400. 640. 10 stacks. On va devoir miner, faire des ressources. Objectif de soir. Il est 22h47, on a le temps. Regarde Powa. Ouais, beaucoup de monde m'en a parlé. Effectivement. Ça permet de faire quoi? Si on regardait les quêtes, pour une fois. Ouais, parce que Powa, personne l'a fait. Je me dis, ça peut être rigolo. Ok, ça, c'est les trucs. Powa, c'est où? Y'a pas? Oh, quand tu vois ça. Powa! 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 Welcome back! Oh, y'a des solar panels! 5 FE. Ah putain, mais c'est des FE. Est-ce que c'est gênant? C'est quoi la différence entre RF et FE? Aucun. FE égale RF. La base du mode, c'est les électriques past. Electric past. Mais Nick, pourquoi? Bon, alors ceci dit, des mana pool, on peut en faire. Qu'est-ce que ce bordel? Ok, du col. Ok, ça on peut faire. Je sais plus comment on fait du mana. Oh, je me souviens plus de Botania, c'est trop compliqué. Mais Botania est présent pour tout et Botania, j'aime pas Botania. Je trouve ça chier avec les directions, les machins, les trucs. Ça marche jamais. Ouais, les fleurs, il faut faire celle de Blaze, je crois. Bon bah c'est de la merde. On brûle notre livre là, tiens, brûle là. Bon bah, on est parti pour faire 1 milliard de solar panels en fait. On va se contenter de ça, parce que ça, ça marche. Hein. C'est power génération. Power génération. Power! Ouais, ok, on a un bouquin. C'est pas mal ça. Ah bah c'est Big Reactor ça! Alors le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut du Yellorium. Mais ceci dit, attendez, c'est pas le bon mode là, que je veux faire. Ouais, c'est power génération. Comment on peut faire de l'énergie si pour faire de l'énergie, il faut de l'énergie? Moi, c'est ça qui me fatigue. Tous les modes, pour pouvoir faire de l'énergie, il faut déjà de l'énergie. Ça sert à rien. Attendez, solar panel niveau 1. Et rusty là, comment on fait des rusty?
Ok, ça c'est facile. À l'époque, c'était bien là, tu faisais facilement des trucs. Maintenant, c'est chiant. En fait, y a plein de trucs d'énergie, mais y a aucun qui paraît cool. Non, mais c'est pas grave, on va s'emmerder, les gars. Let's go. Hop, et de la redstone. J'ai des K et des K de redstone. Hop, les redstone, on va mettre là. Ouais, let's go s'emmerder là. Ok, let's go. Oh, c'est bien plat là. Ça marche pas. Se faire enculer. On peut le faire stack par stack. Non, parce que si c'est chiant comme ça, ils vont se faire foutre là. Oh, oh. Ah bon, ça va. Je sais pas s'il en faut, mais dans le doute. Ok, j'ai fait ma quête. Donne moins en plus. Si on faisait un solar panel... Ah ouais, mais il me faut ça là. Ah, on peut le... Oui, mais non, mais ça sert à rien, parce qu'il faut des redstone nuggets. Le seul qui permet de le faire, c'est un métallurgique infuseur, et on va pas pouvoir en faire un, quoi. Bon, l'osmium, c'est ok. Ça, c'est chiant. Ça, c'est ultra... Mais comment il a fait Ika pour avoir le courage de faire ces merdes, là? Ce truc-là, en fait, c'est obligatoire, là. Avec Créate, c'est faisable. Ouais, mais c'est chiant. Qu'est-ce que ce truc? Ouais, c'est des Masonry Builder. Bah en fait tu fais Create au début, juste pour faire là le petit marteau là, ou je sais pas trop quoi là. La Mechanical Press. Oui t'as les roues mais c'est moche, moi je veux pas faire ça. Bah on va servir de ces trucs. Allez on va y arriver. Donc il nous faut... Ah les steel plates. On peut les faire avec ce truc là je crois. Donc il nous en faut 4 je crois. Merci. Ensuite il faut des steel... Non. Ah, c'est du copper, ça va. Si, on y arrivera, on y arrivera. Je ne m'avouerai pas vaincu sans ce bordel-là. Qu'on arrivera, copper, on arrivera, ça, on y arrivera. Il nous manque le steel câble avec du steel wire. Dis-moi qu'il en a un en wire. Ah, wire, ok. Il nous en faut 4, je crois. Ah non, 4. Ah, si, ça en donne 4. Oh, j'en ai fait 8. Ok, maintenant, sous vos yeux ébahis, nous retournons à notre base. On se cache dans notre souterrain, parce qu'on est bien. On va faire ça. On peut ! Incroyable. On va faire ça. Missing item, là, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ? C'est l'ingénieur... la workbench de l'ingénieur. Ouais, c'est celle-là. Comment on a de la... Et je suppose que pour faire le pyrolyseur, il faut des trucs qui sont faits par le pyrolyseur. Ouais, il y a la table, hein, let's go. Salut la table. Eh, hey, jolie table, hein. C'est quoi qu'on doit faire, déjà? Je sais plus. Ça, 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 non, ça c'est facile. Ça. J'ai pas pris le bon truc. Pourquoi je vais faire le métallurgique infuseur? Ah, parce qu'on peut le faire directement en métallurgique infuseur. Ouais, ça marche aussi. Ok. 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 C'est ça. Ok, 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 ok. Infuseur métallurgique. Ok, let's go. Je garde mon calme. J'arriverai à la faire, cette machine. Ah, j'ai déjà la petite machine. Pour le plastique, je me souviens vaguement. On n'a pas du rubber. Mais si, je pourrais les alimenter en énergie. Pas confiance en mon ingéniosité. Et il faut mettre un truc contre les troncs d'arbres, là. Je peux faire des casings plus simples à la base. Bah ouais, mais sauf qu'ils proposent pas, en fait. S'ils proposent pas, c'est que c'est pas bon. Y'a que ça, hein, pour faire les casings. T'es obligé de faire ça. Le style casing, y'a que celui-là. Sinon, il faut un combineur, oui. Pareil, il faut un smelter, on s'en sort pas, en fait, c'est le même problème. C'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que t'as pas plusieurs routes. T'es obligé de suivre
une route précise. Tu peux pas te dire, ok, je peux le faire comme ça ou je peux le faire comme ça. Notamment pour les modes de départ, en fait. Je trouve ça dommage parce que, genre, faire des solar. Quand t'auras envie, c'est bon, ma cave, elle est terminée. T'as quoi? Ta cave? Ah, mon trou. Vas-y, je viens voir. Oh, c'est joli. Avec l'eau. Là, je regardais pour faire les solar panels. Bah, je sais que je les ferai jamais, les solar panels. En vrai, si tu peux, hein. Il y en a, les premiers sont pas durs. Hein. Non, les premiers sont affreusement durs. Rien que les premiers sont affreusement durs. Ça dépend lesquels tu fais, hein. Non, parce que tu dois faire des redstone ingots, et pour faire des redstone ingots, t'es obligé de passer par un métallurgique infuseur, en fait. Et regarde le craft du métallurgique infuseur. Tu veux faire lesquels, hein ? Sur lequel mode ? Les solar panels classiques. Ceux qui vont du tiers 1. Ouais, je crois que c'est ça. Non, parce que pourtant les premiers, c'est pas compliqué. Il te faut un redstone ingot. Non, mais tu regardes pas le bon. Faut que tu fasses ceux de solar flux reborn. Comment ça ? Je comprends rien. Ah ouais, alors je regardais pas le bon depuis tout à l'heure, peut-être, c'est ça ? Il faut faire des redstone ingots. Ouais, en soi, il faut que je fasse un induction smelter, mais là, c'est pareil, j'ai peur. Ça va. Mais l'induction smelter, c'est pas compliqué à faire, de toute façon. Bah ouais, mais pour faire un induction smelter, tu dois avoir un induction smelter où t'es obligé de passer par le miniaturise bidule truc, là. Oui, mais bah tu vas chez Ika, il en a un. Ouais, Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que bon, j'avais la flemme de faire le mode. Hein. Moi, je suis passé chez Ika, hein, parce que Ika, il a tout fait, de toute façon. Ouais, je pense que je vais faire pareil. Ah, tu mets juste les trucs dedans, c'est ça ? Le miniaturiseur, là. Pas la zone rouge. En fait, le craft que t'as à faire, faut que tu le craftes dedans, et ça va miniaturiser le bordel pour te donner. Ouais, bon, on va faire comme ça. On va s'en sortir. Ouais, mais il y a un schéma à suivre au début, après, c'est tranquille, mais le schéma du début, ça te. Ok, bon, on a ça. Boum, boum, boum. Ah, oh, je sais plus si j'en ai de ça. J'en ai 3. Et il m'en faut évidemment 4, je crois. En 8. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression. Bah non, parce que j'en ai pas assez. Mais il faut plus que 16. Ah, c'est 4x4. Ah oui, parce que son projecteur est plus grand. Oui, il m'en manque. J'en avais pas fait assez. En 4. Ah, attends, est-ce que t'as fait l'erreur que je pense ? Attends. Ah bah non, c'est bon. Ouais, j'ai juste pas fait assez. Oublie pas de faire le petit machin en redstone, hein, que tu dois lancer dedans aussi. Hein. Comment ça, tu dois lancer un truc en redstone dedans ? Bah, regarde le craft. Ouais, ok, ça va. Ah, c'est Jimmy avec son magnet, là, il m'a volé du fer. Ah merde. C'est pas grave. Oh my bad. Mais j'étais en mode, merde, c'est parti où? Oui, t'as un redstone cerveau à faire, c'est ça. C'est pas compliqué à faire après. Ouais, c'est bon, c'est moi le redstone cerveau. Et donc tu balances ça dedans, c'est ça? Bah tu le balances, après ça va créer la... Ah, après l'animation est cool, hein, c'est ultra swag. Ah oui, bah bien sûr. Bah, heureusement. Bah ouais, mais moi je voulais faire des solar panels, mais on me dit non, je suis sûr que je les ferai jamais du coup. Attends, mais les redstone ingots, t'abuses, c'est pas si dur à faire que ça. Bah oui, mais je suis en train de faire, si, non mais je vais les faire, je suis en train de faire l'induction smelter. Ah, parce que après tu fais c'est juste les red alloy, hein. Ouais, c'est ça, tu sais ça faire. T'entoures de redstone et point. Ouais. Donc tu vas arrêter de chialer 2 secondes, et tu vas les faire ton putain de craft, hein. Je pense une fois que t'as passé l'étape du début, qui est un peu chiante, après ça va. Ah, une fois qu'on aura produit de l'énergie, je pense que ça ira mieux. C'est juste ce passage là qui est chiant. Après, oui, ouais, Tinker est quand même très pratique pour doubler tes minerais aussi, tu vois, par contre. Puis même, c'est très simple, hein. T'as besoin de faire cuire ton fer, tu fous tout le fer dedans et t'attends et ça ressort tout seul, hein. Ouais, peut-être c'est que tellement j'en rapide en plus. Au moins, j'ai des abeilles, après on va les faire baiser les abeilles et ça ira mieux. On va les faire baiser ou les bzzer. Oh! Alors par contre, je viens de casser l'induction smelter avec ma pioche et je me souviens qu'à une époque, quand tu faisais ça, tu obtenais que la machine case. T'avais que la machine case, ouais. Et si ça avait fait ça, je pense que le stream se serait terminé pour ce soir. Allez, à plus tard, hein. Allez, salut, hein. 8 generator pour l'énergie. C'est le truc le plus simple au monde à faire. Viens chez moi au-dessus, tu fais le pattern que j'ai fait, hein. Ça produit bien, hein. Ah ouais, mais je charge des trucs compliqués. Moi, je veux mes panneaux solaires, frère. Ah oui, bah, en vrai, bon, les panneaux solaires, t'as pas grand-chose à faire, tu les as, hein. Je vais les faire aussi, moi, je pense, parce que j'en ai besoin d'avoir besoin. Ah, je suis en cours. Mais par contre, du coup, ça m'a... Je vais être chiant, hein. Je vais vouloir esquiver toute la nuit. Ah bah, ça... Oh, c'est pas bon signe. Je viens de brancher l'induction smelter et j'ai un giga freeze. Mais... Ah, mais il est pas sorti. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire? Les panneaux solaires. Allez, courage. Copper et redstone. Dans l'induction smelter. Je crois que j'ai plus de... Ah, j'ai du copper. Je crois que j'ai plus de copper. Oh, let's go. Allez, let's go, c'est mardi. C'est mardi, les amis. L'élément vert. Je vais aller chercher du fer. C'est dur à trouver le fer, je trouve. Non, après, si vraiment tu galères, tu cherches dans mes coffres. Hein. C'est la même histoire. Hein. Non, attends, un peu de difficulté quand même, merde. Oh, ça, c'est du fer, ça. C'est bien, t'es pas tombé dans le piège de la facilité, bravo. Ouais, c'est clair, c'est pas mon genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Moi faire ça, jamais. Bah non, quand même. Je suis pas un mec comme ça. Non, mais je sais. Je crois que je vais me faire une force. Je crois que tu es en train de me faire basculer du côté obscur de je fais tous les modes. Bah il faut en fait, de toute façon. Et puis même, moi, c'est ce que ML veut en fait. Et il a raison. Le problème, c'est que chaque soir, je vais faire un truc et ça part en couille. Ah mais c'est, bah ça c'est normal, c'est le modé. C'est compliqué à faire une forge ou pas? La smelterie de Tinker. Ouais. Ah bah il te faut du Groot hein. Et comment on a du Groot? On va en voir les gardiens de la clay, galaxie. Du gravier et du sable. Ok, bon jusqu'à présent okay, ça va. Ok finalement. Si la clé je peux en avoir plein. La clé j'en ai plein aussi puisque en minant il y en a sous terre. J'ai, ah ouais, si tu veux j'en ai 6000 dans mon sac de la clé, des clay balls là, donc. Ouais mais en vrai je vais pas me faire chier parce que là j'ai deux stacks de fer là. Bon là j'ai assez de fer. Est-ce qu'on fait la forge? Je sais pas où la foutre pour que ça soit bien, pour que ça soit. Parce que dans la forêt la forge, je sais pas, c'est. Sous terre tu fais juste tu peux faire ressortir pour faire un peu de réalisme avec de la fumée, tu vois. Enfin, ça dépend quel type de base tu veux faire après, j'avoue. Tu veux faire quoi comme type de base? Un peu naturel avec des modules un peu partout, tu sais. Mais bien intégré, tu vois. Imagine la base d'Ika mais en propre. Après là c'est bien, hein, j'ai récolté, ouais ça se récolte vite. Après si tu veux aller encore plus vite tu vas dans le nether. Ouais mais dans le nether c'est le bordel. Mais oui t'as masse fer, mais j'ai du mal à l'identifier dans le nether, je sais pas pourquoi. Ah bah après quand tu tapes dans le tas tu te rends pas compte de ce que tu tapes, c'est surtout ça le truc. Vas-y tape dans le tas là. Ah mais je sais la forge, faut que je trouve, là genre je la fais dans la montagne là. Genre ici, intégré dans la montagne, avec sa fume et tout, et on mettra des blocs un peu comme si on descendait dans... Vous voulez pas faire un partenariat, Pierre te donne les abeilles, toi la forge. Bah non, mais il peut tout faire, Pierre, après. Oui, surtout que les abeilles, pour te les donner, je t'avoue, j'ai rien produit. Je pense que Jimmy, c'est un player un peu comme moi, c'est-à-dire, on n'aime pas être tout seul. Genre, on aime bien être genre en vocal. J'aime bien dans mon jouer. Coin, mais... Ouais. Mais par contre, pour nos bases, on aime bien les faire tout seul. C'est ça, j'aime bien avoir mon matos dans mon coin. Bah pour avoir nos propres bases, notre propre identité en fait. On fera la déco après les gars, fuck it là. Oh ça fera pas mal comme ça intégré là-dedans. Ouais on utilisera des magma bidule truc. Y'a des quêtes pour ce mode? Oui il y en a dans Michel Anus. Dans Michel Anus oui. Michel Anus, ok, c'est à ouais. Quel endroit Mlesh l'anus, c'est ce qu'il y a à droite. Putain, j'ai pas réussi à rester sérieux. Ok, Mlesh l'anus, bien sûr. On est obligé de faire les tables et tout là, c'est chiant. Bah ouais, bah c'est parce que c'est le début c'est le début normalement qui est comme ça. Hein. Faut faire une Tinker Station là. C'est laquelle qu'il faut faire? Je comprends pas. Ah elle est là. Je suppose qu'il va falloir en faire plein. Des stations? Non, des Mlesh l'anus. C'est fait. Part Builder. Et la station TRRB là. Let's go la quête. J'ai... Ouais, des clay balls, super. Ah, faut faire des cirettes briques, faut faire du Groot, c'est ça, voilà, c'est là. C'est là que le ça fameux. Bon, en soi, c'est pas chiant à faire le Groot, c'est juste non. Que c'est... ok. Le vouloir, quoi. Il faut que j'agrandisse la mienne, faut que je fasse pareil. Hein. Il faut quoi, du sable et quoi d'autre, tu m'as dit? Sable, gravier et clay ball. Et on fait lag et le serveur, let's go. Bon, 3 stacks, c'est pas mal. Ensuite, faut la faire cuire, c'est ça? Ouais. Un truc que je suis content d'avoir fait, c'est les obsidian furnace, ça c'est... Ah ouais. Oh, ça cuit tellement vite. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse aussi. Mais bon. Je sais pas, je peux les augmenter en netherite, je sais pas trop quoi. S'il y a pas une machine électrique qui permet de doubler les ressources aussi haute que Tinker, oui mais c'est mécanisme et c'est plus compliqué. Mais oui. Bonne mémoire. Et donc il faut faire quoi, le Cired Controller? Le Cired Break, faut que tu fasses Cired Controller, Cired Dread... Alors par contre... Cired Eater, je suppose. Ouais, alors par contre, tu feras gaffe parce que pour faire le contrôleur, faut que tu fasses la mini smelterie. Parce qu'il faut que tu verses du copper liquide dans un truc pour faire le contrôleur. Bon, en tout le cas, il faut que je fasse le fuel tank aussi. Oui, ça c'est obligatoire. Ah, il faut que je fasse le cired melter, c'est ça? Attendez, on va regarder si ça marche du coup, cette histoire de là. On pine. Ah ouais, on les a. Oh, c'est pas mal ça. Il me faut les petits faucettes là. Allez, boum! Des quêtes qui s'enchaînent! Ah, oh, et ça la dépine automatiquement. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, dit comme ça, il doit se demander pourquoi je parle de pin, Jimmy. Non, moi, je sais très bien, puisque c'est la smelterie. Tu sais comment ça fonctionne. Que les pins? Ouais, la bonne pin, c'est toujours plaisir. Faut que je fasse du Groot, mais il me faut de la clé. Bon, on va aller chercher tout ça. Ah, oui! Chez les abeilles. Ah, putain. Et j'ai pas les bons réflexes encore, alors pas mal en plus. Bon, on va juste falloir sortir l'autoclicker. Pas beaucoup de... Ouais, parce que c'est arrivé après. Hop. On va
va récupérer un peu tout. Et donc, ouais, on a que ça en clé, je crois. Ouais, parce qu'on n'a pas fait plus. Allez, sous vos yeux ébahis. Déjà ? Ah oui, non. Oh, ça va, ça en produit pas mal. Ah, les hoppers, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, sur la manuelle, ça marche pas. Oh là ! Petit lag. Normalement, c'est bon, là, on a tout fait. Ça produit pas mal de miel, hein. Pas mal de ça aussi. Et plein de ça ! Ok, on fait du Groot. Il va en falloir beaucoup. On peut avoir de gravier au bout d'un moment, de toute façon. Ah, mais ça, c'est un truc que j'aurais dû faire au début. Ouais. T'es mieux vaut tard que jamais. Dans tous les cas, il en faut 64 de ça. Hop. Ok. La smeltery controller. Ah, c'est ça, voilà, il faut un molten copper. D'ailleurs, on peut pas faire la version... Ah, ciré de glace, hein. Ça doit pouvoir se faire. Ça se fait avec du verre classique. Bon, on va en faire une assez grosse, mais pas une trop grosse non plus. Je crois que plus c'est gros, plus ça permet de faire cuire quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais la faire plus loin, ouais. Genre vraiment placer au centre de la pièce, là. On l'enfonce un peu dans le sol ou pas? Genre dans les profondeurs, ça peut être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7x7 maximum, bah let's go. Et c'est devant qu'on va mettre la vitre. Devant et sur ce côté-là, je pense, parce qu'on fera un côté qui vient voir jusqu'à ce côté-là. Vous voyez, un peu la forge encastrée comme ça. Ouais, c'est bon, ça sera bien intégré. On verra comment on fait exactement avec des dalles, des trucs comme ça, mais voilà, je vais arriver à avoir cette petite vue-là. Les abeilles, j'ai rien fait pour l'instant. Enfin, la salle de base, quoi. J'ai les apiéries, c'est pas mal. Mais il me faut de l'énergie pour la centrifugeuse. Va falloir faire le plafond, mais on le fait en verre, le plafond, non? Ouais, parce qu'on fera de la fumée autour qui monte. On va le faire en verre, le plafond, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de plafond à la smelterie, je suis con. Bien vu, ça fait des blocs économisés. Il va quand même falloir que je fasse la partie contrôle et la partie glougloops. On le fait en bas, hein. Le heater, c'est pour quoi? C'est pour faire chauffer la forge. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse, là. Le smelterie contrôleur. Et pour le faire, il faut que je fasse tomber sur le Cired Heater. Donc faut que j'en fasse un deuxième. Ah, faut que je passe par ça, c'est ça? Il fait froid d'un coup. Faut que je passe par le... Ok, faut faire un petit fosset là. Là-dedans, il va falloir refaire un fuel tank. Il faudrait que je me fasse un spawner à blaze là, comme ils font tous. C'est un heater, je crois. Un heater? C'est de la lave qu'il faut, hein, c'est ça. Et pour faire le... le smeltery contrôleur, c'est du copper, il en faut 4 lingots. 2. Mais il faut aller chercher de la lave. Ouais, pour les blazes, faut que je fasse un spawner, mais je crois savoir comment faire. C'est... Jimmy. Oui. Je suis dans le Nether et il y a un rat sur un strider en train de le monter. Oh putain la vache, de fer. C'est un démon rat. Oula, bah bute-le alors. Voilà. Bah, Nether cheese. Ouh. Ah bah oui, je peux faire du Nether cheese, c'est cool. Fromage qui a cramé sur le bord de la fenêtre, ça je reconnais. What does it taste like? Ouais, ça sent le cul quand même. On peut l'upgrade ce truc? Oh ouais, mais faut de l'infusé d'alloy, donc c'est non. Je sais pas si j'avais besoin de mettre autant de lave. Au moins ça marche. Ah, attendez, il faut que je mette ça. Comment? À 2, ça a pas doublé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans le petit, ça double pas les minerais? Ah non, le petit, non. D'accord. Non, le petit, c'est vraiment le setup pour ensuite faire la grande. Malheureusement, non. Ok, on a notre contrôleur. Donc il faut quoi? Contrôleur, heater, fuel tank. Fuel tank, le drain c'est pas obligatoire mais bon c'est à me conseiller. Le heater sert à rien dans la smelterie? Ah oui. Ah oui, c'est Groot comme ça. Le heater. Ouais non, toi il faut fuel tank, il faut contrôleur. Fuel tank et ton contrôleur. Ouais, ok. C'est tout. Enfin le principal c'est ça en tout cas. Allez, dernier truc de cirette qu'on cuit. Tu faisais comment le spawner à Blaze? Avec des spawn parts, c'est ça? Non, j'ai juste récupéré un spawner avec une steel touch. Ouais, il y en a dans la cité, hein, c'est ça? Oui, mais moi après j'étais dans le Nether, moi surtout. Ah mais t'as trouvé une forteresse? Oui, oui. J'ai un TP dans une forteresse et tout. Il y en a d'autres de spawners là-bas ou pas? Je vais aller voir, si tu veux. S'il y en a un, je veux bien que tu me le récupères. Ah bah c'est bien ça. On sort de la gueule, hein. Allez hop.
Allez, je te mets là, hein. Ça spawn direct en plus. Ah oui, ça spawn direct, oui. Attends, mais du coup, faut le mettre au-dessus, au centre, là, quoi. Je te mets là, hein. Là, tu vois. Là, hop. Dans le trou en haut, là. Non, juste le trou en dessous. Là. Ouais. Bon, j'ai pas fini, c'est nickel, on s'éloigne. Et du coup, bah, normalement, ils vont crever dans la smelterie, et puis tu récupères, voilà, tu vois. T'as même pas besoin de débuter, regarde. Regarde, hop, regarde, ça fuit déjà. Ah ouais, ça génère direct, quoi. Ah oui, non mais c'est instant. Et ça génère pas un truc que tu dois extraire? Bah le Blaze Blood, faut que tu le extraire. Après, faut que tu le fasses aller dans les tanks après. Là tu l'as juste dans à l'état dans la smelterie. Après, ouais. Faut que tu le fasses sortir par un drain, soit par des tuyaux que tu ramènes directement dans tes tanks, soit par autre chose. Et attends, mais du coup c'est trop chiant parce que ça va se mélanger quoi qu'il arrive à nos trucs, non? Oui, mais ça se met, y a un qui se mélange avec le Blazing Blood. T'inquiète pas. Ça fait une couche, tu sais, ça fait juste une couche de. Ok. Ouais, tranquille. Ah, c'est pour ça qu'il faut mieux deux smelteries. Ah oui, tu peux venir récupérer le spawner et me le redonner? Bah j'ai pété ma Seal Touch donc... Oh, ok, toi t'emmerdes pas. Ah mais sinon je peux en refaire si tu veux, je peux en faire. Non, non mais j'ai un bouquin Seal Touch quelque part. De toute façon faudra que je me fasse une pioche Seal Touch quand j'allais récupérer de la Black Pack Ties donc... En fait tu le mets dans une deuxième et ensuite tu fais un truc pour amener directement quoi. Bah moi ce que je vais faire si tu veux c'est que je vais le faire plus loin comme ça j'entendrai pas les Blaze. Et je mettrai des Ender Tanks et ça me les amènera directement. Faut que tu sois proche pour que ça spawn, non, quand même. Bah, si tu charges la zone, et tu mets un spawner agitateur, et c'est bon. Est-ce que là, je fais ça, ou... Ouais, le coin comme ça, ouais. Ouais, c'est mieux. Je vais mettre le spawner juste derrière, là. Comment je fais pour virer, du coup, ça avec des drains, c'est ça, tu m'as dit? Il faut que tu fasses des drains, oui. Et après, tu peux mettre des pipes de pipes. Ceci dit, on va mettre ça, là. Voilà. C'est dans le bon sens. Ouais, non, mais je sais pas, je vais essayer, les gars. Mais il faut pas un faucet pour les sortir? Si, mais tu peux faire avec les pipes aussi. Avec les pipes, c'est automatique. Avec le faucet, tu peux faire automatique aussi, mais bon, c'est moins marrant. Je comprends pas. Avec le faucet, tu peux sortir, mais c'est manuellement ou automatiquement, et c'est seulement un truc. Alors, avec les pipes, tu peux connecter 800 tables avec des ingot cast, et tu peux faire comme ça. On me dit qu'il faut faucet plus drain, ça, je comprends pas. Ah non, pas du tout. Ah, mais si, mais il faut un drain derrière. Ah, oui, non, mais d'accord. Moi, je suis fatigué. Oui, il faut que tu fasses le drain, le bloc. Et tu mets le faucet dessus, oui. Ok. Oui, moi je suis crevé, j'en peux plus. Pourquoi je peux pas accéder à tes coffres chez toi? T'as pas du copper? Parce que j'ai reclaim. Est-ce que tu peux me donner du copper? J'arrive. Bah tiens, viens voir dans la base. T'en penses? Parce que en fait, tout mon copper, il est dans le truc. Et je peux pas le sortir. Ah oui. Viens voir dans le trou ce que t'en penses, dis-moi. J'arrive. Regarde. C'est pas mal. Mais du coup, regarde, tu vois au milieu là. Bah on peut mettre un drain. Avant c'était impossible de faire ça. Ah oui, tu l'as mis en balle. Et du coup en dessous, si tu mets un F5 sur le bord, ou si tu vas en dessous directement, là il y a mes tables. Du coup ça va être caché. Comment tu fais que ça soit automatique? Ah, avec des fluid pipes ça sniffe directement en fait. Ouais, regarde, et... les coffres ils sont arrivés là directement. Enfin ça arrive là-dedans directement. Et du coup ça te fait les lingots direct. Voilà, et ça va automatiser, ouais. Sauf si tu veux caster des trucs spécifiques, du coup t'es emmerdé. Comment tu fais pour... Avec les pipes, tu peux mettre un système de redstone, donc ça se trouve que t'as juste à mettre un truc comme ça, ça bloque. Ah, un levier. Après, levier. Voilà, un levier. Ouais, bon plan. Tiens, tu vas les déchirer dessus. Wouhou. Bon. Ah oui, 16. Oh putain, mais quel homme. Ok, j'ai fait mon drain. Ah mais si je casse le truc, je vais perdre tout le liquide qu'il y a dedans, non? Non, non, ça c'est conservé. Conservé dans le contrôleur. Ah oui, c'est pas mal. Let's pas go sympa. Ok, mais donc du coup, tu fais un drain et tu... Hein? C'est okay. Ça. En fait, avec le faucet, c'est bien parce que tu peux faire manuellement. Et comme moi, tu veux faire des trucs qui cassent, bah tu fais avec les pipes et ça remplit automatiquement. Ouais, ok, bah c'est ce que je vais faire. Un levier pour que ça coule tout seul, ça marche? Oui. Non, faut désactiver, réactiver, non? Non, tu peux les mettre un levier qui fait automatiquement. Par contre, faut que tu vides la table automatiquement aussi. Ouais, enfin, faut que tu retires au fur et à mesure. Tu m'as peur. Bon, là, je vais faire un système à l'arrache, là, pour l'instant. Ça marche, là, du coup? Easy, effectivement. Parce que, du coup, après... Ah ouais, mais je vais plus avoir assez de... Bon, quoi que si, il y en a plein, là, du Blazing Blood, là. En vrai, le Blazing Blood, ça se génère bien. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, mais c'est trop bien. Pour faire de l'autocast, c'est trop bien. Ah, mais une smelterie Timax, normal, les après, choses. Après, le problème, c'est que tu dois patienter pour envoyer les trucs, tu vois. C'est un peu le problème. Par exemple, tu peux pas, genre, mettre tous tes minerais dans un coffre, les laisser faire et finir, tu vois, parce que ça risque de se mélanger, c'est le problème. Mais sinon, tu peux pas injecter les minerais directement, Si. Tout mimi, on dirait moi quand j'ai commencé Tinker.
Ouais, ouais, c'est des trucs. Mais t'as vu, regarde, c'est trop stylé, regarde, ça refroidit, hop, et ça part. Ouais, ça part. Ouais, non, mais c'est bien, Tinker, je connaissais ma femme qui m'envoie en texto jacuzzi pour l'interrogation. Netflix and jacuzzi. Netflix and jacuzzi. Alors attends. Le jacuzzi, on l'a mis dehors, mais pas très loin de la fenêtre qui donne là où il y a la télé. Sur la télé, voilà. Et Anna, elle me disait, putain, mais si on se met là, on peut presque regarder la télé et tout. Et je lui dis, mais attends, il faudrait prendre un bras, tu sais, tu mets la télé sur un bras, tu le mets contre le mur, comme ça, on peut l'orienter comme ça. C'est articulé, ouais. Et on peut regarder, regarder dans le jacuzzi. Il y a 32 blocs, on va laisser cuire ça. Spawn range 4, ça veut dire que ça va jusqu'à 4 blocs autour, c'est ça? Bah comme les spawners classiques, ouais. Et d'ailleurs, tu sais que tu peux les améliorer, les spawners, avec du sucre et tout, là. Marque spawner, tu sais, dans la recherche. Ouais. Et tu si tu fais le clic pour voir les crafts avec, regarde. Si t'as les spawner modification, tu peux mettre du sucre, des cloques, des yeux fermentés. Ah ouais, dit Chris, mais tu le mets dans quoi? Bah dans le spawner. Juste tu fais clic droit dessus avec clic droit sur le spawner avec. Une crise require player range avec la prise marine. Je vais faire un mini tank là. Pour réduire le spawn rate, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends dans une main, tu prends un blaze rod. Ouais. Et dans le tu prends un nether quartz. Et avec un nether quartz, comme ça, tu peux réduire le range. Comment ça, dans une main, un blaze rod et dans... J'ai pas compris. Tu mets un blaze rod dans une main, parce que je crois que pour le modifier, il faut avoir un blaze rod, c'est ce que m'a dit Ika. Oui, c'est une blaze rod, ouais. Ah. Et donc, tu mets un nether quartz. T'appuies plusieurs fois et tu vas avoir jusqu'à... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait range 1. Comme ça, j'ai fait un tout petit tank et t'as pas besoin de voir un gros truc pour... En fait, la blaze rod, ça augmente la taille de spawn. Mais avoir le quartz dans une main te inverse, en fait. Exactement, c'est ça. Ils me refont un smeltery controller, c'est ça? Ouais, t'es obligé. Bon, donc c'est pas assez grand, donc faut que je fasse 5x5. Logiquement, ça passe. Hein. Moi, j'ai un 3x3, ça marche nickel. Hein. Mais comment ça se fait que moi, ça spawn pas? T'as mis spawn range à 1 ou à 0? Ah, j'ai peut-être mis 0. Comment je fais pour le... Mais comment tu sais pour savoir combien c'est? Tu fais shift dessus et tu le vois normalement. Que c'est peut-être ça, et faut que je la réaugmente, c'est ça? Ouais, je crois que tu mets qu'un blaze dans ta main, et c'est tout. Mais il faut le poser pour le savoir, c'est galère. Attends, comment? Bah je l'ai posé, mais je fais shift, je vois rien. Ah, ou c'est ça? Ouais, spawn range, ok. Spawn range 1. Donc faut que je réduise le minimum délai maintenant. Et le max délai aussi. Je fasse mass clock. Ah, ça spawn pas, hein. Fiche pas. Ouais, trop de un bloc, on s'en bat les couilles. C'est des blazes, la lumière touche pas. J'ai eu ce problème là aussi, j'avais dû remonter mon tank. J'ai dû le faire de 5 de haut pour que ça fonctionne. En fait, ça peut pas spawner en dessous, logiquement. T'es sûr que t'as pas fait plus large? Parce que moi, je vois pas comment ça peut spawner en dessous. Ah, viens voir, mais là, je l'ai ouvert le truc, mais je t'assure que ça spawn bien. Ah, bah oui, mais oui, c'est 3x3. Oui. Oui, à l'intérieur, c'est 3x3, bien sûr. Oui, c'est pour ça que ça spawn pas. Oui, donc c'est bien 5x5 et non pas 3x3. Oui, okay. À l'intérieur, c'est 3x3, pardon. Ouais, moi, en fait, c'est pour ça que ça spawn pas. Hop. Et on va. Ouvrir comme ça en grand, on va casser au-dessus, on va mettre le spawner là. Donc il a une range de 2, ce qui est bien. Et là ça spawn. Ah, puis ça spawn en masse. Faut juste mettre un peu de lave, je suppose. Et ensuite faut des fluides, des pipes là. Et comment tu... Ah oui, en fait tu relis directement au fuel tank, c'est ça? En fait tu relis le drain au tank et au tank de l'autre côté. Ouais, ok, ça marche direct, hein. C'est nickel. Et là, dès qu'il y aura plus de lave, ça va aspirer ça. Ah, oh, c'est bon, j'ai fait mon système et il me faut juste 3 soul sand et après, c'est bon. Juste à prendre une blaze rod en main, c'est ça, et à faire clic droit avec ma nether star et ça sera bon. Ma nether star, c'est du quartz? Non, mais pour que ça spawn sans qu'il y ait besoin de player à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Ah. Je veux juste voir si ça... Ouais, c'est bon, hein, ça remplit. Hein.